Téléchargez des musiques et des vidéos gratuitement sur redconverter.com. Bonjour à tous, je m'appelle Narcisse et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est pas ça mon intro, c'est vraiment de la merde. Bonjour à tous, c'est Narcisse, aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur 60 secondes. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, aujourd'hui on va pas faire l'apocalypse, je vais vous montrer la survie. Alors en soi, ça a rien d'énorme, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous montrer comment on gagne le jeu une fois, en fait. Donc, je vais faire Little Boy et une expérience, une aventure unique dans un monde post-apocalyptique, celui dont on a pris un système avec des ressources choisies au hasard. Donc, choisies au hasard, on commence avec des ressources complètement piffées au pif. La soupe, elle peut être confortable jusqu'à 737 jours par an. Je dis complètement. Waouh! Vous voyez comment ça se fait là-bas? En gros, on commence avec quasiment tout le matos qu'il faut pour survivre. Donc, ça, c'est le mode survie en facile. On a claqué la porte de l'entrée du bunker à la dernière seconde, juste avant l'explosion, à un cheveu près. On va s'en sortir. Nous sommes tous vivants et nous sommes tous ensemble. Donc, ça ira. D'après ce qu'on sait, les soupes en conserve sont à la base d'une nutrition saine et équilibrée. Les étagères sont pleines de boîtes. On mangera les boîtes, on dormira sur les boîtes, et même on parlera avec les boîtes. Certains parmi nous le font déjà d'ailleurs. Les ressources d'eau devraient être suffisantes pour quelques jours, avec un coup de chance pour plus longtemps. On n'a jamais vu un abri si bien approvisionné. Bah, c'est le premier abri qu'on voit, mais est-ce que c'est vraiment important? Ok, donc c'est parti, cette fois on y est, c'est parti, cette fois on va survivre, on est parti pour survivre tous les jours. Il est difficile de se préparer aux conséquences imprévisibles puisqu'on ne peut pas les prévoir. Elles sont imprévisibles par définition, non? Alors, j'espère que, en tout cas, les trois premiers épisodes vous ont plu. Le premier, ça m'étonnerait, mais les deux autres, j'espère que oui. T'en as vraiment tout. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour revivre le passé. On doit se concentrer sur aujourd'hui et demain. Marie-Jeanne dit qu'elle va bien et qu'elle n'a besoin de rien. Jimmy va bien. Ou au moins, il allait bien il y a 5 minutes. Un jour comme tous les autres, elle va bien. Rien à maudire, ça pourrait être pire. Pourtant, Ted dit que ça pourrait être mieux aussi. Est-ce qu'on tente? Non, on va pas tenter d'expédition pour l'instant, j'ai pas besoin, j'ai vraiment, vraiment pas besoin d'expédition pour le moment. Je peux survivre facilement plusieurs jours. Alors, assez de disputes, on a des choses bien pires pour se faire de la ville. Marie-Jeanne a besoin de boire. Timmy nécessite pas beaucoup, mais certainement il doit boire. Tout le monde doit boire, donc tout le monde va boire sans problème. Voilà, tout le monde boit. Donc pour l'instant, pas d'expédition. Vous l'entendez, non? C'est parce que personne ne dit rien. Pas un mot depuis des heures. Pas un demi-mot. On peut pas toujours contempler les murs, hein. Ah, c'est le moment d'agir ou ça va mal finir. Donc on va utiliser la radio. En espérant qu'elle casse pas, sinon on est vraiment dans la merde. Jour numéro 4, nickel. Oh, ça tombe bien. Ah, ça tombe bien qu'on a emmené la radio. On peut écouter de la musique. Parce qu'il y a toujours de la musique, n'est-ce pas? En sécurité, ok, personne n'a besoin de rien. C'est parfait, personne n'utilisera de ressources, personne ne fera d'expédition. Comme on y est, il est difficile de garder le moral. Espérons que ce bordel se termine bientôt. Sinon, on peut finir dans un endroit beaucoup, beaucoup pire. Vraiment pire que notre petit abri confortable. Ok, donc, c'est la merde absolue et totale. Enfin, pour l'instant, tout va bien, plutôt. On a un fusil, on a des balles pour le fusil. Franchement, on a tout ce qu'il faut. Il est impossible de ne pas s'inquiéter en pareilles circonstances. Parfois, il est difficile d'accepter la vie, ici, au bunker. Or, on essaie de garder espoir. Mais c'est pas facile. Jour numéro 6. Là, on torche un peu les jours parce que j'ai pas besoin d'expédition. Donc autant rester en sécurité et pas tomber malade.
On va pas tourner en rond comme les chevaliers de la table ronde en suivant la grille de bouillage dont quelques cinglés a orné le mur quand même. Le monde est suffisamment fou comme il est. Chacun doit boire, Mary Jane aussi. Un peu d'eau. Ok, tout le monde a besoin d'eau. Donc c'est le jour de la ration d'eau. Voilà. Pas d'expédition pour le moment. Gare, c'est quoi ce bruit? Vient-il des murs? Ça nous rend dingue. Quelque chose grimpe les bouches à aération? Doucement, respirons, ça va aller. Il serait mieux de nous calmer un peu avant qu'on commence à démolir notre propre pays. Et ce nous détendre un peu, donc on va jouer aux cartes. On va faire un petit jeu de cartes. Donc je fais les cartes là. Jour numéro 7. Un peu divertissement et on a oublié de... C'était quoi en fait? Mary Jane mangerait bien quelque chose. Timmy a très faim. Doris rêve d'un repas. Et attends, le gros, il a pas faim? Ok, Ted n'a pas faim, donc ça c'est un boost, ça c'est bien ça. Pour économiser un peu plus nos ressources. Après avoir passé un peu de temps à scruter notre plan, on a découvert quelques signes insolites griffonnés. Ça et là. Ici et là. Il semble que quelqu'un a caché un trésor dans le coin. Et encore mieux, il a eu la gentillesse de laisser des indices. Est-ce qu'on va envoyer quelqu'un pour faire une enquête sur place? Timmy, je compte sur toi. Va enquêter sur ce trésor. Ah, Timmy est revenu et il appellera bien. Ces indices étaient une mauvaise blague. Ou une bêtise des gamins. Maintenant, on voudrait récupérer le temps perdu pour l'entreprise. On s'inquiétait beaucoup pour Timmy, mais il est revenu sain et sauf du désert. Ah oui, c'est parce que je vois. Hein. Timmy est en mauvaise santé. Timmy est très fatigué. Donc Ted a faim et Timmy a faim. Les deux hommes de la maison ont faim. On va tuer. Je suis désolé, on va devoir utiliser la trousse de soins. Quelqu'un frappe comme si le ciel lui tombait sur la tête. On craint d'ouvrir. Mais si on apportait de bonnes nouvelles, on donnerait tout pour voir la face familière d'un ami. Même si c'était notre voisin, Ned. Ned Flanders. Si la ville a été bombardée pour une raison, je donnerais ma tête à couper que cette raison a été bien Ned. Ouvrir ou pas? On ouvre la porte, on verra bien. Oh, il y a eu un tir, il y a eu un coup de feu là, j'ai pas arrivé. Quelqu'un a commencé à nous tirer dessus. On a fermé la porte le plus vite possible. Mais un ou deux coups nous ont éraflés. Chacun doit boire, Mary Jane aussi. Ah, Timmy est guéri. Donc, Mary Jane doit boire. Dolores a été blessée, non! Alors attends. Mary Jane doit boire. Ted doit boire. Dolores doit boire. Et Timmy, on peut laisser crever. Putain, ils nous ont tiré dessus. Dring, dring. On croirait qu'on n'allait plus, jamais plus entendre le téléphone sonner, mais tout à coup, on l'a clairement entendu derrière la porte de l'abri. On s'est rendu compte que le son venait de la cabine téléphonique de l'autre côté de la rue. Faut-il envoyer quelqu'un pour y répondre? On va envoyer Mary Jane. Ça lui fera un peu de sport, un peu d'exercice. Jour numéro 10. Quand on a décroché, on a entendu quelqu'un pousser un grand soupir de soulagement. Ils se sont entendus comme des survivants d'un village voisin de Hill Valley. Malheureusement, tout à coup, notre conversation est interrompue. Quelque chose a dû mal tourner de leur côté, espérant qu'ils nous appelleront bientôt. Quand on a vu la porte de l'abri ouvrir, on sautait au plafond quand on l'a vu revenir. Ok, adore le jus de pomme. Ok, donc Timmy a faim. Est-ce qu'on préparerait pas une expédition? Non, pour l'instant tout va bien, on n'a pas besoin. Avant que tout le monde soit devenu un désert radioactif, on avait beaucoup d'amis dans la ville, y compris le vieux Jim, qui n'avait jamais oublié de nous sourire, ou dire bonjour. Une fois, il nous a invités chez lui, mais à l'adresse indiquée, on a trouvé qu'un petit parc. Il était rigolo, notre Jim. Il semble avoir survécu à l'explosion et est assis devant notre porte depuis quelques heures, déjà en essayant de nous vendre une pierre. On va l'ouvrir. Je pense qu'il est devenu fou, mais on va lui ouvrir. Bam. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Le vieux Jim était toujours très gentil. On n'a donc pas hésité à ouvrir la porte. Il nous a fait un clin d'œil et dit que la première pierre est gratuite. Une véritable affaire en or. Si circonspect,
de posséder une bonne pierre, mais on n'en donnerait jamais nos provisions. Même si vraiment elle porte bonheur. Nadia se sent pas mal aujourd'hui, espérons que ça va durer jusqu'à demain. Timmy dans un tel lamentable, nous devons lui donner de l'eau, maintenant. Ok Ted, tu bois direct. On se souvient du lac où on faisait des escapades ces dernières années. Il serait merveilleux de s'y relâcher encore une fois, loin de cette folie, se baigner. Peut-être faire une promenade en bateau, même si tout le coin s'est changé en Nucléville. Pim, 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 pim. Ah oui, elle s'est pris des tirs. On le voit là. Elle est blessée, putain, j'espère que ça va pas s'infecter. Ah ouais, ma trousse de secours vide. Tant qu'on est sauf ici, on peut y rester. Est-ce qu'on a de l'eau quelque part? Mary Jane pose cette question depuis la matinée. Timmy dans un état lamentable, nous devons lui donner de l'eau maintenant. Donc Mary Jane et le petit doivent boire, les deux enfants doivent boire, Dolores doit boire. Pour l'instant, on manque pas vraiment d'eau. La radioactivité n'a pas encore diminué dans les alentours de notre abri. Si on ne veut pas risquer notre existence, il ne faut pas mettre le nez dehors. D'accord, pour l'instant on va pas aller dehors. Nos informations quant au monde extérieur sont bien limitées. Il serait mieux d'en savoir plus. Peut-être la radio nous y aidera. On allume la radio, jour 12. On a déjà réussi à allumer la radio une première fois. On va voir si aujourd'hui ça fonctionne. La radio n'est pas cassée, donc ça va bien. On a réussi. On a réussi à attraper un signon, quoique faible, et de se synchroniser avec la fréquence des communiqués du gouvernement. Ça alors, bonne nouvelle, avec la condamnation atténuée, les expéditions à la surface deviendront beaucoup moins risquées. Yes! Mary Jane ne s'inquiète pas, au moins ne dit rien. Tout va bien, ouais. Ted a faim. Ted va manger et on va préparer une expédition pour demain. Où a-t-on mis les munitions? Elles n'étaient pas pillées, ou alors... Alors elles doivent être quelque part ici. Il faut les trouver. Ok, donc on va utiliser la lampe torche pour essayer de trouver les munitions. Or elles sont juste là les munitions, mais bon. Je ne juge pas. Hein. Mary Jane n'a pas eu de problème aujourd'hui puisqu'ils n'ont pas osé croiser le chemin. Comme un scout modèle, Timmy se débrouille très bien. Quelle que soit la situation aujourd'hui, il a l'air vraiment allègre. Dolores n'a pas mangé depuis très longtemps. Ok, donc lui doit boire, elle doit manger. Qui on envoie dehors? Alors je propose qu'on envoie Mary Jane. Mary Jane, tu vas aller dehors. Tu vas prendre... Je sais pas quoi lui donner. Tu vas prendre la map. Non, c'est une mauvaise idée. C'est la radio hors de question. Écoute, prends le fusil. Prends le fusil, on n'a pas le choix. Et pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je l'envoie dehors? Une petite expédition comme ça. Mary Jane est partie avec le fusil à l'extérieur. Peut-être le moment est venu pour que Timmy boive. Ok. Donc Timmy doit boire, Dolores doit faire les deux. Ok. C'est vrai qu'on va bientôt manquer d'eau. Peut-être, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour faire des plans pour l'avenir, mais on n'y peut rien. On se demande sans cesse à ce qu'on peut faire dans cette situation terrible. Notre maison est-elle toujours là? Ou devra-t-on déménager à quelques bleds arides comme Toronto? J'arrive vraiment pas à le dire, hein. Toronto! Alors, le petit carnet. Un déménagement ne serait pas une mauvaise idée. On aura une bonne occasion de rencontrer du monde et de faire de nouveaux amis. C'est-à-dire, pourvu qu'il y ait encore des survivants. Timmy va bien, ou au moins il allait bien il y a 5 minutes. Dolores est toujours blessée, il lui faut du temps pour reprendre des forces, d'accord. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ted aime ce proverbe ainsi que les matins calmes. Le gouvernement est notre seule chance de nous sortir de cet embarras. On peut dénigrer, mais c'est que font les rabat-joie et des cocos. On est des bons citoyens. On paie des taxes régulièrement, alors on est sûr que l'oncle Sam viendra nous aider. Sauf une fois quand on a... Bah, peu importe. Les représentants du gouvernement peuvent venir à tout moment maintenant. Alors il faut ouvrir grand les yeux et les oreilles. On utilise la radio. Franchement, là, on est bien parti. On est bien parti. Allô? On le savait, le gouvernement n'a pas été défait. Ils viendront nous sauver. Aucune date n'a été indiquée dans l'émission. Mais sans doute, ils ne nous laisseront pas dans ce pétrin. Pour longtemps. Ils nous ont promis de nous contacter dans quelques jours à venir. Il ne reste plus qu'à nous fier au gouvernement et attendre des instructions. Timmy a très faim. Ok, donc Ted a soif,
timide à la fin. Donc ça, pour l'instant, on gère bien la soupe. L'espace confiné a situé des risques. Alors pas de surprise qu'on s'y amaille déjà pour rien. Si on n'arrête pas, cela va mal tourner. Papin. Alors, vous rassurez-vous, tout va bien se passer. Ah, Mary Jane est revenue. Elle a cassé le fusil, la pute. À tous les coups, elle a bouffé. On pouvait à peine dormir après ces luttes. Espérons qu'elle ne se reproduise jamais. Quand on a vu les portes de l'abri s'ouvrir, on a sauté au plafond. Mary Jane est de retour. Un gros tas de ferraille a révélé qu'on approchait un parking d'une étendue considérable. Pratiquement aucun véhicule n'a pas survécu à l'explosion, mais on a pénétré dans le labyrinthe d'épaves pour explorer l'endroit. Il y avait un peu d'eau sous une table de pique-nique roussie. Une bouteille était loin d'être intacte. Les bouteilles étaient loin d'être intactes, mais quoi que ce soit dedans semble plutôt potable. On a pris deux bouteilles d'eau. On a trouvé une valise en cuir dans un des coffres. Elle semble intacte. On a été un peu déçus qu'elle soit vide, mais la valise peut s'avérer utile pour les explorations. Le coffre d'une fourgonnette cachait une hache solide et bien tranchante. Le camion appartenait sans doute à quelques bûcherons, ou un tueur en série, ou peut-être les deux d'ailleurs. Eh bien, adieu notre fusil. Plus de coups de feu après cette expédition. Mary Jane a faim. Jimmy a soif. Ok. On va reprendre une expédition. Quand Mary Jane fouillait dans notre bazar, elle a trouvé une graine. On ne sait pas ce que c'est. Et peut-être que c'est... la plantule de quelque chose de magnifique. Avec un peu de chance, on pourra même faire pousser un pommier. On va cerisier. Un cerisier. Ou au moins quelque chose de mangeable. On a besoin d'une bouteille d'eau pour arroser nos rêves. Est-ce que ça vaut la peine? Gaspiller une bouteille d'eau? Attendez, on a combien d'eau? 4,5. Bon, vous savez quoi? On prend le risque. On prend le risque parce qu'on en a vraiment besoin. Et puis ça peut être utile. Imagine ça marche. Il y a un pommier qui pousse dans l'abri. Alors... qui vivra verra. Un peu de sol, une petite graine de l'eau. On verra le résultat dans quelques jours. Espérons que ce ne sera pas quelques fleurs futiles. Mary Jane est très optimiste. Mary Jane mangerait bien quelque chose. On s'est préparé depuis hier pour cette expédition, de sorte qu'on est tout prêt pour y aller. Qui va être le chansard pour explorer les zones vierges? Mary Jane est blessée. Ah non, 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 ils sont trop épuisés. Ils sont trop épuisés. On va envoyer personne en expédition. On va attendre qu'ils soient bien reposés. On enverra Timmy. Normalement, c'est celui qui devrait être le plus... Ah voilà, nickel, on va pouvoir l'envoyer. Timmy va bien. Mary Jane mangerait bien quelque chose. Timmy s'est reposé. Dolores se débrouille très bien. Soit ça, soit elle a encore rien trouvé de quoi pour se plaindre aujourd'hui. Ted a faim. Et Ted a soif. Timmy, tu pars en expédition. Donc Timmy va partir en expédition demain. Ah, j'aurais dû lire en fait, je suis désolé. Apparemment il y avait une petite histoire, j'ai pas pu lire. Mettez pause hein, vous. Vous auriez dû mettre pause tout à l'heure pour voir ce qui se passe. Alors, c'est vrai. C'est vrai comme au cinéma. Il y a toujours, au milieu de ce désert, des gens comme nous. On est rendu à l'endroit désigné à l'heure prévue et on a été accueilli par un groupe de survivants sympas. Le groupe est sous l'égide d'un frère et une sœur jumeau. Sœurs jumelles, j'imagine. Des sœurs jumelles. Enfin, voilà quoi. Ils semblent tous très sympas et ils ont promis qu'ils allaient bientôt nous recontacter. On s'inquiétait beaucoup pour Timmy, mais il est revenu sain et sauf. Mary Jane doit boire. Dolores doit faire les deux. On prépare une expédition pour demain. On a déjà perdu la notion du temps. On n'est pas sûr qu'il fasse jour ou nuit. Ça a chamboulé notre rime circadin ou kikardin et le phosphore, troublant de ces ampoules sacrées, n'y aide pas. C'est dommage qu'on ne puisse pas les remplacer, on doit intervenir. Non, Timmy! Bon, on envoie de l'eau. Putain, merde! On a bravement décidé de faire fi de nos symptômes et de se rendormir. Pour une heure ou deux, pas de chance, on est même plus fatigué qu'avant. Il y a toujours tant de problèmes auxquels on doit faire face du bon côté. On espère que nos bâillements tonitruants suffiront à décourager les pilleurs ou nous épargner la fièvre des radiations. Mary-Jane se brouille bien. Timmy est fatigué. Ok, Ted est très fatigué. Bon. Je sais pas qui on va envoyer dehors. Dolores est juste blessée. On va envoyer Timmy. Je suis désolé, Timmy.
Putain, on peut envoyer que Dolores. Écoutez, on va prendre un risque, on va envoyer Dolores à l'extérieur. Non, écoutez, non. On va pas faire ça, on va pas envoyer Dolores. On va rien faire pour le moment, on va attendre que tout le monde se repose. Et à ce moment-là, on enverra une expédition. Oula, j'ai bien fait de pas l'envoyer. Mary Jane dit qu'elle va bien et qu'elle n'a besoin de rien. Timmy a très faim. Et il a soif. Ouais, faut qu'on envoie une expédition demain, les mecs. Oh yes! Oh, oui! Alors, lorsqu'on a entendu quelqu'un frapper à la porte, nous avons retenu le souffle. Mais bientôt, on a constaté que les voix à l'extérieur devaient appartenir aux enfants. Il s'avérait qu'elles appartenaient à quelques scouts. J'ai dit, elles vendaient des biscuits, mais maintenant, leur offre était bien plus variée. Alors, je vais. Ils offrent un kit de soins contre des balles. Les balles, j'en sers jamais. Donc, on va faire l'échange. D'accord? On va faire l'échange. Et on va soigner Dolores. Les filles étaient très gentilles, leur prix raisonnable. Et on a donc fait un marché. Quelle jeune dame entreprenante. C'est pas facile de faire des affaires même après la fin du monde. Nous sommes impressionnés. On a gagné une trousse de soins, on a perdu les balles. Mary Jane est réellement assoiffée, il lui faut de l'eau. Dolores doit boire. Ok. Donc ça... Ah, attendez. Et on va soigner Dolores. Et on va attendre le jour suivant pour faire l'expédition. Je sais que je repousse toujours à plus tard, mais il faut vraiment qu'on économise le plus possible. Ok, cool, elle est complètement soignée, Dolores. Mary Jane mérite bien quelque chose à manger. Oh putain, Timmy est épuisé, Dolores est déjà mieux. Alors Dolores a faim, c'est ça? Donc on va faire manger Dolores, on va préparer l'expédition pour demain. C'est pas toujours qu'on se réveille dévoré par une plante carnivore. Or, en voilà notre matin aujourd'hui. Quels aïe au diable, Mary Jane et ses aspirations horticoles. Qui aurait cru qu'une toute petite graine pourrait se transformer en un démon sanguinaire? On doit s'en débarrasser. Insecticide direct. Putain, mais quelle est conne cette fille. Ah, bon, la graine s'est transformée en plante carnivore. Non, bande de fils de pute. L'attaque avec l'insecticide est la meilleure défense. Crève, plante mutante. Psss. Psss. Ouf, ça nous a donné un frisson. Sans déconner, hein, on a eu peur. On devrait mieux se concentrer sur la soupe en boîte au lieu de cultiver quoi que ce soit. Ce n'est pas le meilleur climat pour l'horticulture. Dans ces conditions-là, chaque jour de paix compte au centuple. Donc Timmy a soif. Et Ted veut les deux. Alors là, on n'a pas le choix, faut vraiment faire une expédition. On va attendre demain. On va attendre demain. À chaque fois, je dis ça, mais pour l'instant, c'est pas urgent de ouf. Mais on va y quelqu'un qui soit complètement reposé. Genre, Ted là est complètement reposé. Si je dis pas de bêtises. Ted est reposé, ok, on va l'envoyer en expédition. Mary Jane a besoin d'eau. Ok, donc Mary Jane a besoin d'eau. Et Dolores a besoin d'aide. Là, on est vraiment dans la merde. Faut qu'on fasse une expédition dès demain, sinon on est dans la merde. La musique s'est arrêtée d'un coup. Et au milieu de chansons, on a entendu une mission militaire. Dès qu'on a entendu le mot « l'évacuation », on s'est précipité vers la sortie. Mais il semble qu'on doit faire quelque chose avant qu'il nous sauve. Tous les survivants doivent laisser une marque dans les alentours. L'endroit exact est donné aux coordonnées géographiques. On a besoin d'un plan pour le localiser. Heureusement, on a un plan. On va survivre, les gens. On va peut-être survivre. Ok, aujourd'hui, on va envoyer Ted en exploration. Un coup d'œil sur le plan, il a déjà su tout ce qu'il fallait savoir. On les a laissé un message dans la bouteille, dans l'endroit spécifié. Mary Jane se sent en sécurité. Mais qui pourrait sentir autrement dans ce petit abri douillet? Timmy est sage. La question est-ce que ça va durer? Notre vie. Ok, donc tout va bien pour tout le monde. Tout le monde va bien, on va pouvoir faire l'expédition. Ted. Alors écoute-moi bien, Ted. Tu vas prendre ça, la hache, le masque à gaz, la lampe torche, et la lampe torche. Voilà. Donc on envoie Ted avec tout ça, normalement il devrait revenir avec pas mal de matos. On espère que tout le monde va survivre en attendant. Je stresse vraiment. Mary Jane va bien, Timmy a faim, et il a soif. Alors là... Il faut vraiment qu'il rentre le plus tôt possible. On donnerait tout pour profiter encore d'un soleil. Le bunker n'en aborde pas. Et l'avenir n'y promet pas grand chose non plus. Ok, donc là ça va. Pour l'instant, tout va bien. On a 24 minutes de jeu.
Pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. Avec un peu de chance, on s'en sortira. Marie-Jeanne a besoin d'eau. Oh putain, ils ont tout... on a plus d'eau, ça y est. Faut que Ted revienne avec de l'eau. Les jumeaux ont tenu la parole et aujourd'hui, ils nous ont contactés de nouveau. À présent, ils sont à la recherche d'un plan de notre ville pour se repérer un peu dans le terrain. Et y trouver un bon endroit pour y établir leur camp assez grand pour tout le groupe. Ok. Donc on va leur prêter la carte. J'espère qu'ils vont nous la rendre par contre. Ok, apparemment ils nous l'ont rendue. C'était un plaisir de les revoir. On a vite déployé devant eux notre plan et on a indiqué quelques endroits intéressants. Les jumeaux ont écouté nos conseils et ils nous ont remerciés pour notre aide. On leur transmet nos meilleurs vœux de réussite. On pourrait peut-être leur rendre visite une fois leur camp est prêt. Une fois que leur camp sera prêt. Mary-Jane va bien, Timmy va bien, Dolores va bien. Pour l'instant, tout le monde va bien. J'espère que ça va durer. Ce camp de bandits dans notre rue nous devient vraiment insupportable. Ils se comportent comme des brutes. On en a ras-le-bol. Quelqu'un devrait leur montrer que les habitants innocents de ce désert ne sont pas des nigauds. Est-ce que quelqu'un devrait... putain, malheureusement, j'ai plus de fusil, j'ai plus de hache. Donc malheureusement, je ne peux rien faire. Oh, il y a eu des tirs. Il y a eu des tirs. Quelqu'un doit enfin réprimander ces brigands. Ou plutôt les chasser et faire froid dans le dos. On soutient l'idée 100%, juste comme celle de ne pas montrer même un bout du nez à l'extérieur comme on est. Quelqu'un d'autre va s'en occuper, bah ouais. Imagine Mary sans quelque chose à manger. Timmy a besoin d'eau. Donc Mary Jane peut manger, malheureusement on n'a pas d'eau pour Timmy. Mary Jane est rentrée dans la expédition avec une petite blessure à l'avant-bras. Elle s'obstinait que ce n'était rien de grave, mais il semblait que... Oh putain, non... Comme elle avait été piquée depuis ce temps-là, la blessure s'est aggravée. On craint qu'elle puisse être infectée. Il faut la traiter. Oh my god, je peux pas la traiter. Soit je coupe le membre infecté. Maladie. Oh Ted. Ouais, Ted, t'es pas revenu avec grand-chose. Hein. Ah si, attends, il est revenu avec quoi? Oh, une trousse de secours. Mary Jane ira bien. C'était pas la première fois qu'elle tombe malade, ni la dernière. Pourtant, elle a l'air si frêle aujourd'hui. Ted est revenu sain et sauf de l'expédition. Elle avait l'air... On avait l'air que quelqu'un nous suivait de nos pas. On doit être vigilant quand on sort à la surface. Quelqu'un habitait le désert silencieux. Il s'y débrouillait plutôt bien. C'était un orang-outan superbe. Quand on a inspecté une rue, notre ami l'orang-outan a disparu quelque part pour un moment. Un instant plus tard, l'animal est revenu en tenant une boîte de nourriture. Il n'était pas capable d'ouvrir et sans aucune résistance, il nous l'a rendu. Deux de soupe. Tout à coup, l'orang-outan a commencé à grogner d'une manière bizarre et de farfouiller le sable avec un bâton. L'inspection de ses excavations a révélé une réserve de bouteilles d'eau. Elles étaient toutes bouchonnées. Pas les bouteilles d'alcool qu'on a trouvées à côté de celle... Ok, d'accord. Plus ça, une bouteille d'eau. Le singe nous a emmenés dans les banlieues jusqu'à un endroit qui ressemblait à un bunker. À l'intérieur, on a trouvé un peu de médicaments. Yes! Ok, Mary Jane est réellement assoiffée. Il lui faut donner à boire. Timmy dans un état lamentable. Donc, ok. De l'eau pour tout le monde, c'est ça? Oh là là, il faut déjà qu'on envoie une expédition. On a déjà plus d'eau. Une de ces choses à laquelle on ne s'attend jamais est de voir à la porte de l'abri une bande de gens vêtus de vert qui s'obstinent à détrousser les riches au profit des pauvres. Incroyable. Devrait-on laisser entrer cette bande de commandants? Ça pourrait être un bon divertissement. On va les laisser entrer. J'ai beaucoup de matos, donc à mon avis, s'ils me volent un peu de soupe, c'est pas grave. Par contre, s'ils me volent de l'eau... Ils sont sérieux? Ces joyeux compagnons n'étaient pas joyeux du tout. Ils nous ont dit qu'on était trop riches et qu'on devrait partager nos biens avec le 99% des autres survivants. Ils ont saisi quelques objets et s'en sont allés. Tout le temps de leur visite, on était immobilisés de stupéfaction. Ces vêtements verts étaient vraiment hypnotiques. Putain, ils ont pris nos médicaments et notre tranche. Ah, Mary Jane est maintenant en forme. Donc en gros, ils nous ont volé nos médicaments. Mais cette banque de cons, ils l'ont pris vide. Ok, donc Média, Dolores n'a pas mangé. Ok, Ted et Dolores. C'est qui a faim? Dolores. Ok. Dolores, je suis désolé. Je suis désolé. Mais il faut que tu partes en expédition. Comme d'hab, tu prends la valise avec toi. Tu prends la hache. Tu prends le masque à gaz. Et tu vas prendre le Boy Scout. Bonne chance, Dolores. Alors là, j'ai très peur parce que j'ai vraiment peur que on ne survive pas.
On n'a plus d'eau. Mary Jane ne s'inquiète pas. Ou au moins, elle ne dit rien. Comme un scout modèle, Timmy se débrouille bien. Dolores est partie dans la surface, vers la surface. Tête à faim. Ok. Tête au bord. Et comment elle va, Mary Jane? Ok, ok. Ok, bon, bah, la dernière ressource, c'est pour Ted. Je suis désolé, les enfants. Plus on saura ce qui se passe autour de nous, tant mieux. Asseyons-nous autour de la radio et essayons de trouver quelques stations. Ok. Normalement, les secours devraient pas tarder à venir nous sauver. Jour 36. Oh, putain. Merde! Quelque chose a craché dans la radio et ce truc fichu a pris feu. On a réussi à éteindre le feu, mais les récepteurs ne marchent plus. Le cauchemar commence. Alors là, on a un gros problème, c'est que tout le monde a faim, et on a plus et tout le monde a soif, on a plus d'eau. On a décidé de jeter un coup d'œil sur la surface, malheureusement j'ai plus rien. Alors là, autant vous dire qu'on est vraiment dans la merde. Jour 37. Oh merde, elle est devenue folle. Peut-être une autre fois, on sera plus enclin à lutter contre cette bête inconnue cachée dans l'obscurité. Mais on en a pas envie aujourd'hui. On a donc commencé à hurler. Apparemment, la bête s'est apeurée encore plus que nous. Elle s'est enfuie à toute vitesse. Mary Jane ne cesse pas de s'évanouir. Nous devons vraiment y trouver quelque chose à boire. Mary Jane est devenue folle. Timmy est dans un tel lamentable. Nous devons lui donner de l'eau maintenant. On va donner à manger à tout le monde, je sais que c'est faut pas, mais il semblerait que le monde passe à critiquer. Est une oasis de silence et de paix, vu que... Vous savez, les gens ne sont plus là. Et pourtant, quelqu'un frappe à notre porte. Derrière la porte, on a vu un homme à l'air bizarre, vêtu d'une combinaison bleue. Nyeh, une puce d'eau. Répétez, s'il vous plaît. Ah, c'est... ah, le clin d'œil à Fallout. Ah, oh, c'est énorme. Ah, oh, j'adore, franchement. Ah ouais, c'est une puce d'eau, c'est dans Fallout 1 et 2, je crois. Ah, énorme. Yes, de l'eau. Avec regret, on l'a informé qu'on n'en savait rien sur ces puces d'eau, sans parler d'en avoir une. Il nous a remercié brièvement et s'en est allé. On était très contents de voir Dolores restituée par le désert. Il paraît que quelqu'un a repéré notre expédition à surface, on devait être plus prudent. Le fameux hôtel Ellison a été transformé en ruine, des tas de bagages s'entremêlés avec des montagnes d'ordures. Et les seules chambres à résister le cataclysme, c'était celles aux étages inférieurs. Lors des fouilles, on a découvert le secret du chef cuisinier de l'hôtel. C'est la soupe aux tomates! C'est bien pour cela que cet hôtel était 5 étoiles. Donc on récupère une boîte de soupe. Chaque chambre avait une réserve d'eau potable pour les clients de l'hôtel. Quelques bouteilles ont résisté à l'explosion, donc plus une bouteille d'eau. Une des valises contenait une belle collection de lampes de poche, de toutes sortes. Très excités, on les a toutes essayées, mais seulement une fonctionnait. Le guide du jeune scout a été très utile, mais où sont les neiges d'antan? C'est dommage qu'on les ait perdues lors de l'expédition. Oh la vache! On a cassé le masque à gaz pendant l'expédition. Zut, on aimait vraiment bien cette valise, c'est dommage que ce soit sa dernière expédition. Fuck! Mary Jane ne cesse de s'évanouir. Donc Mary Jane doit boire. Timmy doit boire, Dolores doit faire les deux. Putain, on est dans la merde. T'en as déjà plus d'eau, quoi. Faut qu'on prépare une expédition pour demain. Aujourd'hui, on a entendu quelqu'un frapper à la porte. Donc, mais quand on avait une valise, voilà. Donc, on va ouvrir la valise. On va prendre vraiment le risque d'ouvrir cette valise. Parce qu'on peut vraiment avoir de la chance, comme on peut ne pas en avoir, comme c'est le cas maintenant. Ok, donc, la bouteille d'eau était empoisonnée ou irradiée. Timmy se tient bien. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Oh non, je peux envoyer personne à l'expédition. Il faut vraiment que le secours vienne nous aider, on est au jour 40. Ah, ça y est, Dolores est devenue complètement cinglée. Mary Jane s'est reposée, Timmy semble être ok, autant que la situation le permet. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Il faut vraiment qu'on envoie quelqu'un en expédition. Aujourd'hui, on a été visité par un messager envoyé par nos amis les jumeaux et leur groupe. Il dit que leur camp est prêt et qu'ils n'ont que quelques questions à résoudre encore. La priorité, c'est les enfants. Ils en ont tout un tas. Et ces petites espiègles s'évadent à toute opportunité pour jouer au loup parmi les ruines. Les jumeaux s'efforcent de recueillir des divers jouets et jeux pour que les gamins puissent... Ok, donc on va leur donner les jeux de dames. Ah, j'aurais dû leur donner les cartes parce que les jeux de cartes, tu peux faire des tas de jeux avec les jeux de cartes. Et pas avec les jeux de dames, en fait.
Avec les jeux de dames, tu joues jeu de dames, quoi, voilà. Même un damier privé de quelques éléments sera pour ses enfants un meilleur divertissement que des courses à travers des flaques de diable, c'est quoi? De je ne sais quoi. De Dieu ne sait quoi, par contre, c'est pas diable. Probablement, en tout cas, la communauté était très reconnaissante. On a hâte de les revoir. On se demande que diable voudront-ils cette fois. Chacun doit boire, mais Jen aussi. Oh putain, ça y est. C'est l'heure que tout le monde doit boire. Ok. Alors, on envoie le gamin. Le gamin ou la folle? Écoutez, on va envoyer la folle. Avec la lampe torche. L'arme de poche. J'espère qu'elle va survivre. Jour numéro 42. Timmy dans un état lamentable. Putain. Oui, on va ouvrir la porte de l'abri. J'ai peur parce que le problème c'est qu'on a plus d'eau. On a vraiment plus d'eau. Oh là 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 là, c'est la merde, c'est la merde. C'était une très bonne idée d'aérer l'abri avec un peu d'air contaminé. Ouais, maintenant c'est l'année, donc il est tombé malade. Attends, est-ce que quelqu'un a faim? Écoutez, à défaut de pas avoir d'eau, on va tous vous nourrir. La nuit, on a entendu quelques hésitations suspectes qui provenaient de l'extérieur. Quand on a ouvert, nos yeux ont vu une valise en cuir. On va l'ouvrir direct. Direct, on l'ouvre. Il nous faut de l'eau. Non, faim, c'est la faim. What? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On a accepté le cadeau très volontiers malgré notre méfiance. Il paraît que ce n'était que notre chère soupe aux tomates. Merci l'étranger. Le retour était loin d'être joyeux. Il y avait quelqu'un, ou plutôt plusieurs quelqu'un, dans notre abri. Il ne voulait pas partager notre pardon, leur abri. Plus de place pour nous, il est temps de trouver une nouvelle demeure. Il n'y a rien de pire que de manger de l'eau, que de manque de l'eau. Non, putain. Alors, je vais prendre une petite photo pour la miniature. Oh non, t'es sérieux? Poussé à ses limites, Timmy n'avait plus le choix. Il a ouvert la porte et il est parti. Trop de jours sans eau et voilà une tragédie à crever à cause de la dégradation, des tentations. On a résisté pendant 45 jours. Non, on n'aurait jamais dû ouvrir la porte! Forcé de quitter par une autre famille. Oh, les PD! Ces enfoirés! Oh non! On vous a chassé! Non! Pourquoi? On pouvait réussir, on pouvait gagner! L'eau! L'essence de la vie, c'est la base de l'eau! J'espère que ça vous aura plu. C'est une des fins du jeu qui n'est... Ce n'est pas la meilleure. C'est même la plus triste. Putain, je suis dégoûté, j'aurais jamais dû ouvrir cette porte. Bon, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos de 60 secondes, n'hésitez pas à le dire. J'en ferai, il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. J'avais pas prévu de faire d'autres vidéos sur le jeu. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao !